Waouh, la vache! Eh, tu m'as fait peur, toi, hein, t'es fou! Il est trempé en plus, il est en train de sa douche. Bah ouais, il faut qu'il fasse attention. Hein. T'es content, mon Tiki? J'aurais dû faire la vidéo pendant que vous faisiez la sieste. Bah oui, là vous faites du bruit, là. C'est bon, vous arrêtez? Plus de bruit? Chut, on se tait maintenant. Salut toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ma vidéo mensuelle, tous les mois je fais ce genre de vidéo en début de mois pour vous montrer les créations du mois précédent. Si jamais vous étiez pas au courant pour les nouveaux arrivants. Voilà. Et donc du coup bah aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer mes créations du mois de juin. Alors au mois de juillet attendez-vous à voir 2 vidéos par semaine, c'est un exploit. Mais ne prenez pas l'habitude, hein, c'est juste pendant mes juillet, après on reprend les bonnes vieilles habitudes. Mais j'avais tellement de vidéos de retard que j'ai voulu tout vous balancer en pleine tronche. Après j'ai peut-être pas choisi la meilleure saison parce qu'au mois de juillet il y en a beaucoup qui partent en vacances. Mais bon c'est pas grave. Moi je fais pas des vidéos pour les vues, pour les likes, pour les commentaires. Hein. Je fais ça pour ceux qui aiment tout simplement. Voilà. J'ai pris pas mal de retard donc je sais pas si quand tu verras cette vidéo là les bijoux seront déjà disponibles sur la boutique. Mais dans les jours à venir en tout cas c'est sûr et certain. Je vais me mettre au travail rapidement mais là c'est vrai que j'ai pris énormément de retard. Oh la vache. Mais Tiki, arrête de parler en même temps, quoi, t'es chiant là. Là on est jeudi et puis vous devez avoir une vidéo demain, vendredi. D'habitude je filme toujours une semaine à l'avance, mais là c'était impossible. Impossible. Un truc de dingue. La première fois je me laisse déborder autant. Enfin bref, je vais rattraper mon retard et tout se passera très bien. Voilà. Donc du coup, bah là je te montre les créations, tu vois, tu vois. Un coup je dis tu, un coup je dis vous. Je préfère dire tu, j'aime pas vous voyez. C'est vieux jeu. On est en 2019. Hein. Et c'est pas parce que je tutoie que je respecte pas. Loin de là. Ok? Le respect pour moi, c'est la chose primordiale. C'est hyper important à mes yeux. C'est pas parce que je dis tu que je manque de respect pour autant. Que ce soit bien clair, ok? Bon, allez, on y va, on commence. Tiki, t'arrêtes de parler. Quelle idée de prendre des perroquets, hein? Donc je vais commencer tout de suite avec les bijoux. Pour les sacs à main, j'en ai fait 3 nouveaux avec des anciennes, comment dire, des anciennes perles en résine que j'avais fait, que j'ai retrouvé. Oh, attends, je vais mettre ça en bijoux de ça, ça sera peut-être sympathique. Voilà. Donc ouais, bref, 3 petits bijoux pour les sacs à main. Donc il y a celui-ci, tout en beige et blanc et argenté. Voilà, avec une petite bleue, puis plein de rubans et puis plein de petites perles. Ensuite j'ai celui-là tout en rouge et argenté avec une perle en résine avec un petit papillon rouge à l'intérieur. Et du coup bah, j'ai des petites perles, des petites bleues mais pour les papillons. Pour que ça reste ensemble. Et le dernier petit bijou pour sac à main en noir et argenté avec des plumes. Excusez-moi j'adore les plumes hein. Et pareil, une petite plume en résine tout en noir. Ensuite, je me suis amusée à faire des bijoux avec des cannes, mes vieilles cannes qui datent d'il y a... J'ai retrouvé mes vieilles cannes fleurs que j'avais... Il n'y a pas que des fleurs. Bon. Mes vieilles cannes fleurs. Et du coup, bah, au lieu de les foutre à la poubelle, et bah, j'ai préféré... Je déteste le gâcher, ça m'énerve le gâcher, genre ça. Du coup, au lieu de les mettre en pâte beurre ou je sais pas quoi, j'ai décidé de réessayer de faire des petits bijoux avec mes cannes fleurs et autres. Et du coup, voilà ce que ça donne. Alors, je suis pas spécialement fan, mais bon. Donc, je pense que ces petits bijoux-là, vu que je les aime pas spécialement, je les trouve pas super, ils seront à prix complètement réduit sur la boutique. Et en plus, vu que c'est les soldes, ça va être quasiment gratuit finalement. C'est bien ça? Du coup on commence avec ce premier bijou, plutôt un marque-page, voilà, avec un, comment on va dire, un cocktail citron-kiwi, voilà, avec des petites perles, une breloque et bah encore des plumes.
Ensuite, ce petit bijou-là, alors je me suis carrément plantée, j'avais pas du tout fait attention, mais en fait j'ai utilisé des cannes avec un côté translucide et d'autres avec un côté blanc, et je pensais qu'elles étaient toutes pareilles, mais en fait pas du tout. Et du coup, quand j'ai passé ça en cuisson, et ben, j'ai eu une belle surprise. Ça fait pas beau, ça fait pas beau du tout. Il y en a qui sont translucides et d'autres qui sont avec du fond blanc. Alors, ça va pas du tout ensemble, je me suis fait avoir comme une bleue. Mais bon, tant pis, hein. Les conneries, on les assume, hein. On n'a pas le choix. Bref, voilà, un petit pendentif avec des fleurs, des feuilles et un papillon. Ensuite, ce petit bijou-là, bah, c'est pareil. J'avais réalisé des cannes roses avec un fond blanc et d'autres avec un fond transparent. Et bah, je m'en étais pas rendu compte. Du coup, j'ai fait un mix de toutes les cannes roses que j'avais et bah, voilà ce que ça donne. C'était pas jojo. Mais bon, c'est fait, hein. Maintenant je vais le savoir. Faut que je m'en souvienne. Ça c'est autre chose. Et un dernier avec des cannes fleurs et feuilles, tout en dans les tons beige, marron et vert. Voilà. Petite apostrophe, hein, je le dis tous les mois, mais encore une fois, je me suis fait chier, c'est que de le dire, à poncer tous les bijoux que je vous présente dans cette vidéo à la main, avec le papier à poncer là. Je te jure, j'ai des méchants biscottos maintenant. J'ai surtout eu des crampes. Le petit bijou suivant, c'est des petits ronds roses. Je sais pas comment je n'ai aucune idée de comment je pourrais l'appeler. En fait, c'est un fond translucide là, ça se voit pas forcément. Et puis il y a plein de petits ronds roses dans différents tons de rose. Voilà. Il est tout en translucide, tu vois bien la lumière. La lumière passe à travers, c'est extra. Donc pour rester dans la catégorie des bijoux divers et variés, un petit mix de tout ça, hein, on continue sur cette lancée-là. Voilà. Donc j'ai ce petit bijou-là avec des hexagones. J'ai voulu faire un effet miel, enfin surtout avec la forme, parce que finalement la couleur ne représente pas du tout le miel, mais bon, c'est pas grave. C'est des petites alvéoles de miel, on va dire ça comme ça. Et avec le reste de cette plaque-là, voilà, eh bien j'ai fait ce petit bijou réversible. Il est des deux côtés. Ensuite, un petit bijou tropical. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des comme ça, tout simplement avec un silk screen par-dessus. Ensuite, pour le bijou suivant, eh bien, j'ai tout simplement voulu refaire ma canne plume que je vous avais fait en tuto sur ma seconde chaîne YouTube. Oui, parce que j'ai deux chaînes YouTube. Il y a celle-là où il y a un petit peu de tout, même si ça reste dans le loisir créatif, et ma seconde chaîne YouTube qui est dédiée au tuto en polymère. Et un petit peu de résine aussi, de temps en temps. Enfin bref, tout ça pour dire que sur ma seconde chaîne YouTube, j'avais réalisé un tuto d'une canne plume, et du coup, j'en ai refait une nouvelle pour faire ce petit bijou-là. Voilà. Et pour aller avec, eh bien, j'ai une petite paire de boucles d'oreilles qui est offerte en cadeau pour l'achat de ce collier. Avec mes restes de la canne plume, j'ai fait un bourgi-bourga, comme dirait Casimir. Oh putain, un coup de vieux. J'étais haute comme trois pommes avec Casimir, moi. Bon bref, du coup avec les restes de ma canne, j'ai tout mélangé, tout mixé pour faire un make-a-shift. Et ça m'a donné cette petite pastille. Mais finalement, bah, le make-a-shift ressort très très peu, c'est très léger. Une petite pastille dont sont plus simples à pareil. Voilà. Ensuite, celui-là c'est un sautoir. Avec une canne géométrique. Et avec le reste de ma canne, j'ai fait un effet sautoir au-dessus. Comme ça, c'est un biface. Bah non, biface c'est de l'autre côté. Un double face, mais non, ça marche pas non plus.
Comment je peux dire? Je sais pas. Enfin bref, t'as compris ce que je voulais dire, hein? Voilà. Ensuite, pour le bijou suivant, eh bien, j'ai fait un effet marbré d'un côté et un Hidden Magic de l'autre. Et ça m'a donné ce petit bijou-là. Voilà. Avec le reste du bijou que je viens de vous montrer, j'ai réalisé cette petite pastille avec un effet sport, avec le reste de ce que j'avais. Et toujours avec les restes, eh bien j'ai cette demi-sphère avec un morceau de Hidden Magic à l'intérieur de cette petite sphère, en plus de sa petite perle. Et la sphère est dans les tons nacrés. Donc si on reste dans le nacré, j'ai fait plein de bijoux avec un effet nacré. Ah, il y en a un plein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, quand même, 5, hein, l'air de rien. Donc voilà, une petite collection de bijoux nacrés. Donc pour commencer, il y a celui-ci sur un fond bleu et avec un Hidden Magic nacré. Je sais pas si ça va bien ressortir les effets nacrés, malheureusement, les caméras. Même en photo, je suis pas sûre que ça ressorte correctement, mais à l'œil nu, c'est un truc de dingue. Ensuite, encore une petite pastille, j'aime bien faire des petites pastilles, c'est très discret, c'est moi j'aime bien. J'aime pas trop les gros colliers en peau qui imposent là, qui poum. Je préfère quand c'est discret. Bref, une petite pastille comme ça avec un effet nacré. Un bijou planche de surf, j'ai toujours appelé ça comme ça. Enfin toujours, non, c'est depuis le mois dernier. Je m'amuse à faire des planches de surf, c'est rigolo. Bref, voilà. Avec un effet nacré. Et pour aller avec, j'offre un cadeau pour changer un petit bracelet. Ensuite, un autre petit collier effet nacré, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une collection d'effets nacrés. Et pour aller avec, eh bien, j'ai une petite paire de boucles d'oreilles que j'offre en cadeau. Et le dernier bijou nacré, il est plus imposant que les autres, et eh bien c'est celui-ci, voilà, tout simplement. Et pareil, pour aller en cadeau, eh bien, j'offre la petite paire de boucles d'oreilles assorties. Donc ensuite, j'ai voulu faire une imitation de pierre, à ma façon. Une pierre que je connais pas du tout, qui ne sait pas si ça existe, j'ai dû l'inventer, j'en sais rien. J'ai réalisé cette pierre-là avec l'encre pignata violette. Violet, je sais plus comment qui s'appelle, mais ça fait pas du tout violet. Ça fait un petit peu rosé, c'est bizarre. Mais pour moi, ça ressemble pas du tout à du violet. Alors, pas du tout. Mais bon,
Voilà, bref, j'ai fait des petites pierres comme ça. Pour commencer, j'ai ce petit collier là. Faudrait que j'essaie de refaire la même chose mais dans une autre couleur parce que ce violet là, je l'aime pas du tout. Et pour aller avec, j'ai cette petite paire de boucles d'oreilles qui fait une petite parure toute mignonne, toute gentillette. Gentillette. Et j'ai un petit pendentif tout seul que j'ai pas encore monté parce que je sais pas encore ce que je vais en faire exactement. Ensuite, j'ai refait des bijoux sur le thème de la mer. J'adore ce thème-là. Enfin, c'est très vaste, tu peux faire plein de choses, c'est un truc de dingue. Et moi, j'aime bien faire des bijoux comme ça. Voilà. Donc, pour commencer, eh bien, il y a ce petit sauveur avec plein de petites bulles. Pour moi, c'est des bulles d'eau, mais après, on va... Voilà, j'ai un petit pendentif avec trois pastilles, comme ça. Ensuite, j'ai voulu refaire un autre système façon pierre et j'ai obtenu ce petit pendentif là. Et pour aller avec, pour faire une petite parure, eh bien, j'ai réalisé une petite paire de boucles d'oreilles qui va avec, assortie. Je suis répétée là, non ? C'est pas grave. Et le dernier bijou sur ce thème là, eh bien c'est ce petit pendentif en forme de goutte, une goutte d'eau. Voilà. Et pareil, pour aller avec, pour faire la petite parure, eh bien j'ai une paire de boucles d'oreilles assorties. Et j'ai également réalisé un tout petit pendentif comme ça que pareil, je n'ai pas encore monté parce que je ne sais pas encore comment je vais m'en servir, mais il est tout petit, rikiki, mais il est trop mignon, je l'aime beaucoup, oui. Et on finit avec la dernière collection des bijoux, des petites chibis, entre guillemets. Pour moi, c'est pas des chibis, parce que les chibis, c'est pas comme ça. Je sais même, des mademoiselles. Voilà. Et j'ai voulu changer de d'habitude, parce qu'on fait toujours. C'est le cliché, c'est comme les Barbie, c'est les blondes aux yeux bleus, super bien foutues, super bien collées. C'est bon, il y en a ras le cul de ça, hein. C'est toujours des petites blondes aux yeux bleus. J'en ai marre. J'ai voulu changer et j'ai voulu faire des petites mademoiselles en couleur, avec une jolie peau bronzée, comme moi j'adore, c'est trop joli. Je les aime bien, mes petites poupées, là, mes petites chibis, mes petites mademoiselles. On leur donne le nom qu'on veut. Voilà. Donc j'ai réalisé avec ma canne plume, il me restait un petit morceau de canne plume, du coup j'ai réalisé des petites ailes comme ça, sur une feuille argentée. Voilà, une petite fée avec des ailes plumes. Ensuite, j'ai une toute petite sirène comme ça sur une breloque tête de mort. Et en dessous, j'ai rajouté une étoile de mer pour rester dans le thème. Voilà. Du coup, on pourrait croire que c'est une sirène pirate, hein ? Pourquoi pas ?
J'ai également une toute petite fée comme ça sur une lune, avec sa petite fleur lucide et les ailes en fimo liquide. Et pour finir, j'ai deux petites sirènes qui ne sont pas du tout montées parce que je vais les mettre dans de la résine. Donc je vous les présente avant, mais du coup, bah, vous les verrez dans une prochaine vidéo spéciale. Voilà, pour l'instant, celles-là sont en stand-by, je vais les mettre dans... Comme je l'ai dit, je me répète, hein, c'est horrible, mais je vais les mettre dans de la résine. Alors je me souviens plus où est-ce que je l'avais dit, je sais que je l'ai dit quelque part, mais je sais plus où. Je pense que c'était sur Facebook. Mais en fait maintenant mes petites mademoiselles comme ça, je ne les montrerai plus en collier. Je préfère vous laisser libre choix. Si vous voulez un collier, un sautoir, un bracelet, un porte-clé, ou je vais y arriver, ou un bijou de sac. Enfin bref, il y a plein de possibilités, du coup je vous laisse, je les montre pas et je vous laisse à vous de choisir. Comme ça, ça sera mieux. Voilà. Et comme tous les mois avec le reste de mes pâtes, parce que comme j'ai dit j'aime pas le gâchis, et bien je réalise plein de petites bouboules, des petites perles avec le reste de toutes mes chutes de pâtes. Voilà. Et du coup bah, j'ai cette petite collection de perles qui est en stand-by et qui va rejoindre les autres. J'en ai toute une boîte remplie de petites perles que j'ai réalisées moi-même. Voilà. Et donc voilà, bah j'ai fait tout le tour de mes bijoux pour ce mois-ci, enfin, mois de juin. Voilà, j'ai fait tout le tour, j'ai fini. Ça a été encore une vidéo longue, excusez-moi. J'avais plus d'une vingtaine de bijoux à montrer l'air de rien, donc c'est pas rien. Il faudrait juste que j'arrête de parler, quoi, c'est tout. Mais bon, ça c'est pas gagné. Faut que j'arrête de parler, je parle de trop, c'est plus possible. Faut que j'arrête, faut que je me teste. Donc je vais couper court à cette vidéo. Et dans tous les cas quand même, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura... je sais pas moi... Enfin... Dis-moi tout ce qui te passe par la tête en commentaire, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Y'a pas de soucis. Je suis un petit peu longue à la détente, c'est tout. Bon, j'ai une fille, excusez-moi, j'ai deux filles qui prennent beaucoup de temps. J'ai des animaux aussi qui prennent beaucoup de temps. Donc j'ai pas forcé, je suis pas non-stop sur internet. Donc faut juste me laisser un peu de temps, c'est tout. Voilà. Donc bref, du coup, j'espère que ça t'aura plu. Et si t'as des idées de tuto, oui, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que si je peux le faire, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Mais encore une fois, c'est pareil, faut être un petit peu patient. C'est tout. et puis bah voilà, du coup, c'est fini. Bah oui, on a fait tout le tour. Donc j'arrête là. C'est bon. Alors je t'ai fait tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.